Sœur Claire, c'est le troisième dimanche de l'Avent, de l'année C, c'est le dimanche de Gaudete. Gaudete, qui veut dire « réjouissez-vous ». Alors, tous les textes vont dans ce sens-là, mais on constate que c'est le cas depuis le début du temps de l'Avent, qui est vraiment un temps où on est invité à la joie. Gaudete, deux fois on est invité à la joie, c'est peut-être pour ça qu'il est appelé Gaudete. Vous avez l'antienne d'ouverture « Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche ». Et puis dans le chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens, qui est la deuxième lecture, chapitre 4, verset 4 de l'Épître aux Philippiens, « Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie ». Joie multipliée par deux, double joie, et beaucoup plus, on va le voir avec le texte de Sophonie. Double joie, voici ce qu'en dit saint Antoine de Padoue, appelé aussi saint Antoine de Brive, à juste titre. Voilà ce qu'il dit, ce docteur de l'Église, à propos de Gaudete. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le redis, réjouissez-vous. Double joie, motivée par un double bienfait, le premier et le second avènement. Avènement, hein, qui a donné le mot avant et qui veut dire venu. Donc le premier et le second avènement. Le premier avènement avec ses richesses glorieuses, l'humilité, et la pauvreté, la patience et l'obéissance. Le second avènement, ce sera avec la vie éternelle. Et le temps de l'Avent nous invite à nous réjouir doublement parce que nous adorons le Seigneur qui est venu et qui viendra. Double joie, Gaudete, Gaudete. Alors, je voudrais parler d'abord de la première lecture, chapitre 3 du prophète Sophonie, versets 14 à 18. Alors là, ce n'est pas double joie, mais c'est septuple joie. Sept raisons de se réjouir. Nous nous réjouissons et Dieu se réjouit en nous. La Bible est un livre extrêmement joyeux, contrairement à ce qu'on croit parfois. La joie est exprimée de toutes les manières possibles et imaginables, et en particulier dans ce texte du prophète Sophonie. Vous avez l'homme en Dieu, quatre manières de se réjouir, et ensuite Dieu en l'homme, trois manières de se réjouir, c'est la perfection. Sept manières en tout de se réjouir, Dieu qui s'unit à la joie de l'homme, et l'homme qui s'unit à la joie de Dieu. Gaudete, voilà. Alors, je lis le début de la première lecture du dimanche de Gaudete. « Pousse des cris de joie, fille de Sion. » Première manière de parler de la joie, c'est la joie qu'on éprouve quand on est sûr que le Seigneur est là. On le retrouve pour la première fois dans la Bible, cette manière de parler de la joie, dans le livre du Lévitique au chapitre 9 au verset 24, où il est dit, la gloire, enfin 23 et 24, c'est Aaron et Moïse qui sortent pour bénir le peuple. La gloire du Seigneur apparut à tout le peuple, une flamme jaillit de devant l'autel, qui dévora sur l'autel l'holocauste et les graisses. À cette vue, le peuple entier poussa des cris de joie et tous tombèrent la face contre terre pour adorer. Joie parce que le Seigneur est là. Et puis la dernière fois qu'on le retrouve dans l'Ancien Testament, c'est un écho à ce texte du prophète Sophonie, et ça se trouve dans le prophète Zacharie, chapitre 2, verset 14, où il est écrit « Chante et réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens pour habiter en toi. » Donc la joie de la présence de Dieu au milieu de nous et en nous. Deuxièmement, éclate en ovation Israël. Alors là, c'est une acclamation, un cri immense qui jaillit devant la grandeur du Dieu Tout-Puissant. C'est par exemple la manière dont chante le début du psaume 47. Psaume 147, versets 2 et 3. « Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en cris de joie. » Voilà, c'est le texte de Sophonie. C'est le Seigneur, le Très-Haut, le Redoutable, le Grand Roi sur toute la terre. On acclame Dieu Tout-Puissant, un Dieu fort dont on
dont il est question dans l'Évangile. Troisièmement, il est dit « Réjouis-toi de tout ton cœur ». Alors là, c'est, alors je suis toujours dans Sophonie. C'est la joie de ceux qui cherchent le Seigneur et qui l'attendent dans la foi, qui ont foi dans la présence de Dieu, même s'ils ne le voient pas, ils savent que Dieu est là et donc ils sont dans la joie. Par exemple, c'est ce qu'on trouve au psaume 33, versets 20 et 21. « Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui, en lui la joie de notre cœur, en son nom de sainteté, notre foi. » La joie liée à la foi. Réjouis-toi. Et puis alors encore une manifestation tout à fait exubérante, on va dire, de joie en présence du Seigneur, c'est ce qui est dit ensuite, où il est dit « Bondis de joie, fille de Jérusalem ». Alors manifestation de jubilation, en général à laquelle est invitée toute la nature. Par exemple, ce psaume qu'on lit dans le temps, qu'on prie dans le temps de Noël, le psaume 96, versets 12 et 13, « Qu'exulte la campagne et tout son fruit, que tous les arbres des forêts crient de joie à la face du Seigneur, car il vient. » L'univers tout entier danse de joie, bondit de joie, parce que le Seigneur vient. Alors ça, c'est quatre manière de se réjouir en présence du Seigneur. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le Seigneur aussi se réjouit en nous trois fois. Quatre, c'est l'homme, trois, c'est Dieu, et sept, c'est la perfection de l'homme avec Dieu. Alors là, je vais lire à partir du texte hébreu, parce que la traduction liturgique est un petit peu moins précise. Donc, Dieu se réjouit en nous, il est dit, il aura en toi sa joie et son allégresse, d'accord ? Il aura en toi toute sa joie. Dieu qui a toute sa joie en nous, c'est Dieu qui vient nous retrouver. Par exemple, dans le psaume 19, il est question de Dieu qui sort pour nous rejoindre, psaume 19, verset 6, « Et lui, comme un époux qui sort de sa tente, il se réjouit, vaillant d'aller courir sa carrière, vaillant d'aller nous rejoindre, vaillant de venir, joyeux de venir habiter sur terre, de planter sa tente parmi nous. Il se réjouit. » Et puis, autre texte de Dieu qui se réjouit de nous rejoindre, et là, c'est Dieu qui, non seulement il nous rejoint, mais il ne fait plus qu'un avec nous, c'est dans le prophète Isaïe, chapitre 62, verset 5. « Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Créateur t'épousera et c'est la joie. Il se réjouira. Comme l'époux se réjouit de l'épouse, le Seigneur se réjouira en toi. » La joie du Seigneur qui vient nous épouser. Ça, c'est tout le mystère de l'incarnation annoncé dans ce texte du prophète Isaïe. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Et ensuite, il est dit, il dansera pour toi dans la joie. J'ai oublié de dire que quand il est écrit, il aura en toi sa joie et son allégresse, la traduction de Shurati que tout le monde connaît, au lieu de mettre en toi, il met le roi d'Israël est dans tes entrailles, ce qui est quand même extraordinaire. On peut traduire comme ça. Donc c'est la joie de la Vierge Marie, la joie de Dieu qui vient habiter dans la Vierge Marie et la joie de Dieu qui vient habiter en chacun de nous. Et la dernière expression, il dansera pour toi dans la joie parce qu'il est venu nous recréer. C'est la création nouvelle, c'est Dieu qui danse pour nous dans la joie. Isaïe 65, verset 19, « J'exulterai, » alors c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Isaïe, « J'exulterai en Jérusalem et en mon peuple je serai plein d'allégresse. Et l'on n'y entendra plus retentir les pleurs et les cris, là plus de nouveau-nés qui ne vivent que quelques jours, etc. » Et c'est une annonce de la joie éternelle. Dieu qui se réjouit en nous. Voilà, cette joie, cette manière de célébrer la joie évoquée dans
le prophète Sophonie que nous entendrons, c'est normal, pour le dimanche de Gaudete. Quant à l'évangile, c'est Saint Luc, chapitre 3, versets 10 à 18. Je voudrais simplement dire quelques mots des paroles de Jean-Baptiste. Quand le peuple lui demande « Est-ce que par hasard tu n'es pas le Christ ?» Réponse de Jean-Baptiste « Moi je vous baptise dans l'eau, mais il vient le plus fort que moi, et lui, etc., vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Et le texte se termine avec, par beaucoup d'autres exhortations encore, Jean-Baptiste annonçait au peuple la bonne nouvelle. Donc, joie de la bonne nouvelle, double joie, là aussi, premièrement, une invitation à la conversion. La conversion est possible et Jean-Baptiste donne des manières de vivre cette conversion. Première joie, la conversion des pécheurs. Deuxième joie, celui qui vient est appelé le plus fort. On va entendre ça à la nuit de Noël, dans le très beau passage du prophète Isaïe, chapitre 9, verset 5. L'enfant qui nous est né, on l'appellera Dieu fort. La force de Dieu plus forte que toutes les puissances du mal. C'est une annonce de la victoire. Et quand Saint Jean-Baptiste dit qu'il est le plus fort, ça ne veut pas dire seulement qu'il est plus fort que lui, mais ça veut dire qu'il est plus fort que toutes les puissances des ténèbres. Dieu fort, on entend ça aussi dans le psaume 24, où il est dit, élevez-vous, psaume 24, verset 8, « Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant des combats. Le Seigneur combat pour nous et il est vainqueur dans toutes les luttes contre les forces du mal. » Alors, je voudrais... Donc, ça, c'est la deuxième source de joie annoncée par l'Évangile, la conversion des pécheurs et la victoire du Seigneur. Voilà la double bonne nouvelle proclamée par Saint Jean-Baptiste. Je voudrais terminer avec un texte du bienheureux Guéric Digny. Il nous invite à prier de cette manière pendant ce temps de l'Avent. Il faut courir dans l'exultation de nos esprits au-devant du Christ qui vient. Il faut que le voyant venir de loin, nous l'adorions, le saluions et l'acclamions en disant « Salut, toi qui viens nous sauver. Béni sois-tu, toi qui viens nous bénir. Viens Seigneur, sauve-moi et je serai sauvé. Montre ta face et nous serons sauvés. Nous t'avons espéré, sois notre bras et notre salut durant le temps d'épreuve. » Sœur Claire, merci beaucoup.